Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Dans le discours de la réouverture du tribunal du lundi 5 octobre 2020, président conseil supérieur pouvoir judiciaire, la magistrat René Sylvain, qui c'est également président de la cour de cassation de la République, il était annoncé la publication imminente d'une nouvelle liste de magistrats certifiés et de magistrats non certifiés. Et suite à annonce à la présidente, fait, liste magistrats certifiés et non certifiés, était dans là déjà. Mais il était temps pour être informé tout magistrat avant de te publier liste là de manière officielle. Liste là, il est publié dans l'édition mercredi pour jeudi, dans la colonne du journal Le Nouveliste, et son liste de magistrats, 20, et de magistrats certifiés qui au nombre de 25 et de magistrats non certifiés qui au nombre de 19. Au total, 44, liste-là vient 44 magistrats, 25 certifiés, ça qui représente 57%. Et 19 non certifiés, ça qui représentait 43%. Et liste magistrat certifié, magistrat non certifié, liste troisième liste CSPJ mettait dehors depuis l'été implémenté le 3 juillet 2012. Donc, l'été publié en première liste, et puis en deuxième, et maintenant l'été publié troisième, non? Juste pour être capable de toujours respecter les dispositions de l'article 69 de la loi du 27 novembre 2007 porte un statut de la magistrature et article 69 loi ça, dit, m'a cité pour vous, les juges de la cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux spéciaux et des tribunaux de paix occupent leurs fonctions jusqu'à ce que leur poste soit pourvu conformément à la constitution et qu'ils aient été certifiés quant à leurs compétences et intégrité morale et obtenu leur approbation du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et au regard de l'article 70 de la même loi, il dit qu'une procédure de certification des juges et des officiers du ministère public est organisée par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, conjointement avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Donc, la commission technique de certification sont commissions conjointes qui représentent le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et représentant le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Première liste, là, elle était publiée le 17 novembre 2017 et c'est mon deuxième qui s'est publié le 15 avril 2019. CSPJ s'est annoncé publication troisième liste là et c'est dans ce sens-là qu'il a publié dans le journal de Nouvelliste hier soir. Dans la première liste là qui était 35 magistrats là-dedans, c'est 83%. Alors, dans la première liste là, c'est 35 magistrats certifiés et 7 magistrats non certifiés. Donc, première liste là, on t'a dit, 35 magistrats certifiés étaient représentés 83.33% et magistrats non certifiés qui représentaient 16.67%. C'est la première liste là qui était publiée par CSPJ. Et dans la deuxième liste là, il y a 39 magistrats là dans le total. Parmi 39 ça, il y a 17 noyaux qui pas de certification, 17% qui pas de certification et reste là, c'est 32 là dedans. Alors, c'est 39 magistrats. Dans 39 magistrats, il y a 7 qui pas certifié, ça qui te représente 17.95% et 32 n'a été certifié, ça qui te représente 82%. Ça me voulait pour remarquer, c'est que mon yo mettait plus accent sur liste magistrat non certifié, c'est que alors que ça qui est plus important, ça qui a de la nouvelle, c'est que chaque liste que vous publiez, il y a plus magistrat certifié là-dedans que magistrat non certifié. Magistrat certifié toujours plus. Donc nous-mêmes dans CSPJ, nous avons même mis accent sur ça pour nous montrer public là, et justiciable de manière générale, que CSPJ a travaillé pour le capable de faire, il y a plus confiance dans la justice, c'est peut-être ça, tout le monde qui pas à remplir les conditions de CSPJ décidé et écarté. Mais on a profité pour nous dire que tout magistrat qui t'a senti que y'a lésé par rapport à la décision que CSPJ prend, y'a capable d'exercer un recours par devant qui le doit,
et si recours la favorable pour yo, yo capable de réviser décision. Combien de temps vous pour faire ça? Bon, je ne pas rien mais Biden Léa, parce que la loi tracée de Léa, magistrat reconnaît, yo capable d'exercer recours yo même, par devant qui de droit pour yo capable de gagner et obtenir gain de cause. Ce qui est important pour nous mettre accent sur lui, c'est que c'est pas conseil supérieur pouvoir judiciaire en lui-même qui prend décision seul, et d'ailleurs son commission mixte de certification au regard de l'article 69 de la loi du 27 novembre 2007, son commission qui vient là-dedans, des représentants du conseil supérieur du pouvoir judiciaire et des représentants du ministère de la justice et de la sécurité publique. Nous connaissons, sous magistrat qui certifie et qui tape tant de questions de nomination, est-ce que ces mêmes situations il y aura le temps de commission du président de la République pour pour non, il n'y a pas dans le même registre. Il n'y a pas dans le même registre. Gagné en liste, il y a plus que 50 magistrats. Parce que je n'en blanc bien, même seul, ça me capable de dire plus que 50 magistrats qui en attente de renouvellement de mandat ou bien en attente de promotion. Cette liste a été acheminée à l'exécutif via le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et CSPJ toujours en attente. Et parmi les magistrats, ça revient pile dans eux, c'est des magistrats qui se jugent d'instruction. Et lorsqu'on juge d'instruction, il y a un dossier dans la main, les 6 mandats finis. Si le mandat n'est pas renouvelé à temps, il est obligé pas qu'à continuer. Et là, il n'est pas qu'à continuer. Si on transfère le dossier à l'autre magistrat n'est pas obligé de continuer ce travail, juge ça d'après. Il est capable de recommencer le dossier à net. Recommencer là à zéro, veut dire que c'est un bagage qui va le prendre temps encore. Ça qui est capable d'avoir un gros impact sur le phénomène de détention préventive prolongée. C'est peut-être ça. La loi fait et de faire à CSPJ le devoir pour lui voyer une liste de magistrats dont les mandats arrivent à terme à renouveler, lui voyer lui au moins 6 mois avant l'expiration du mandat. Et donc si l'instance qui doit là pour le renouveler mandat va renouveler à temps, CSPJ voulait dire tout public là, si tu as gagné un juge d'instruction qui mandat pas à renouveler à temps, ça pas faute CSPJ parce que lui-même il toujours fait le devoir pour lui publier, pour lui voyer acheminer liste des magistrats dont les mandats arrivent à terme, la liste des magistrats a été renouvelée, il faut y avoir attendu bah, qui de droit pour les suites nécessaires. Magistrat, ou kabanou, ou magistrat certifié, ou population ta bien aimé qu'on est, ou kabanou liste moun qui certifié, et ça qui pas certifié, ou kabanou? Liste la publique, li publié dans la colonne du journal de nouvelle liste. C'est peut-être ça avant que CSPJ ait décidé faire toute communication sociale, il ait décidé de publier dans la colonne du journal de nouvelle liste. Liste la publique, tout média qui est intéressé capable d'y accès à liste là, il y a pour elle la liste des magistrats certifiés d'abord et la liste des magistrats non certifiés. Nous t'as seulement rappelé que la liste des magistrats certifiés est supérieure à celle des magistrats non certifiés. Puisque sur 44 magistrats de cette liste, vous gagnez 25 magistrats certifiés, ça qui représente 57%, et 19 non certifiés, ça qui représente environ 43% de cette liste de 44 magistrats relatives à la certification. La cour d'appel, c'est une cour médiane entre première instance et la cour de cassation. Donc c'est comme si nous avons dit, c'est taille, c'est ceinture et la justice là, parce que leur décision fin prend au niveau de première instance, c'est la cour d'appel qui pourrait examiner et permettre tout au moins que yo arriver et infirmer ou confirmer les décisions prises au niveau de première instance là. Cependant, nous connaissons un pile problème au niveau du bicentenaire, problème de gang armée, problème d'insalubrité, tout notre problème sérieux qui fait que nous arrivons dans une situation côté avec les crises politiques et sanitaires, nous pas capable vraiment arriver à fonctionner au bicentenaire. Le bâtonnier d'Orval, de regretter mémoire avec moi-même au niveau de l'ANAMA, nous avons plaidoyer que nous avons fait pour la délocalisation du tribunal. Mais malheureusement, il ne va jamais arriver à faire ça, mais le CSPJ de son côté, pour être capable de permettre que la justice n'a pas été bloquée,
pas paralysé. Les chassés au local étaient disponibles pour la cour d'appel au niveau de Parco. Le commissaire du gouvernement près de la cour d'appel est lui-même de protestement dans le local Parco. Mais depuis l'année dernière, nous connaissons que le ministère de la Justice a essayé unilatéralement nommer un président à la cour d'appel, ce que nous-mêmes, les associations de magistrats, nous avons dénoncé. Et le CSPJ, selon la loi de 2007, portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et statut magistrat, ils ont décidé, mettons, un président AI à la cour d'appel de Port-au-Prince. Mais depuis lors, siège, par exemple, par exemple, l'audience, dossier à monter, nous en prison, qui fait appel, ils n'ont pas qu'attendre. Donc, son véritable problème lié au niveau de la cour d'appel de Port-au-Prince. Qui s'accale à la base sur cette question ça? Bon, l'aime parler avec le commissaire gouvernement près de la cour d'appel de Port-au-Prince. Quand il dit, c'est pas lui, c'est instruction par recevoir pour que le monté à la locale Pacoa à prendre siège. Et pour la locale Pacoa, pour la prendre siège, il dit des instructions. Mais qui est-ce qui est supérieur à ce que c'est le ministère de la Justice qui est supérieur à ce que tout parquetier, tout commissaire gouvernement. Donc, en ce sens, nous déduit que c'est le ministère de la Justice qui n'a pas eu instruction pour monter dans le local Pacoa. Et là, nous sommes dans le discours du ministère de la Justice là. Nous déduit très clairement toutes conditions réunies du centenaire pour nous capables à le travail du centenaire. Mais les conditions n'ont pas vraiment réunies parce que le calme qui vient en bicentenaire, c'est un calme apparent. Parce que n'importe les bandits armés au bicentenaire capables de prendre du service. Et là, ça, nous allons trouver une situation difficile. Et nous connaissons le local là, c'est pas local par nous, c'est local que USAID prêté nous. Donc, on va que l'État a fait beaucoup gorge pour un local que USAID prêté nous. Donc, dans ce cas-là, nous faisons appel au ministère de la Justice pour que l'État passe instruction à la commission de gouvernement pour nous aller compétent à tribunal là, avec la cour là, les compositions réunies, de manière à ce que les gens qui sont en prison, par exemple, comme Arnel Belizère, nous prenons des avocats, lui a parlé, attaqué le commissaire de gouvernement près de la cour. D'appel là. Donc, nous pensons que Kassa est au fond vidé et l'État pas capable de boumer avec l'État, la justice pas capable de boumer avec la justice. Nous pas arriver à un niveau pour mettre conflit entre CSPJ et ministère de la justice. Et tout le monde a de travail pour que la justice marche dans le pays. Dysfonctionnement coup d'appel pour le président de la magistrat, il n'y a pas de préjudice à un paquet de justiciables dans différentes juridictions. Là, nous avons un coup d'appel pour le président, il y a un paquet de l'autre juridiction qui dépend de lui. Pas oublier que la coup d'appel de Port-au-Prince est liée à plusieurs juridictions, juridictions de Port-au-Prince, de Petit-Gouave, de Jacmel, de Croix-des-Bouquets, etc. Donc, imaginons tout dossier qui sont Jacmel, Petit-Gouave et Capsoti et Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince, etc. Donc, tout dossier ça a été bloqué. Avocat pas qu'à faire comme, et dans le cabinet, des témoins qui ont le problème pour aller à l'étranger, ils ont besoin de se débloquer, ils sont pas capables, les gens qui sont en prison et doivent être violés parce que la loi et la convention internationale que nous ratifions dit très clair que nous devons tout le monde qui a arrêté de nos procès équitable. Donc tout ça, maintenant, et à questionner volonté qui gagne dans le niveau autorité dans le pays pour faire la justice à marcher. Est-ce que le commissaire du gouvernement, que c'est substituant, qui n'ont siège, il a décidé de ne pas prendre siège. Il n'est pas capable parce que son magistrat n'est pas entier lié. S'il ne prend pas siège, il est capable de faire prise à partie contre lui. La loi dit que le juge ou bien le commissaire gouvernement qui a fait déni de justice, pas voulu à le prendre siège, décider sous cas et monde qui est justiciable, qui demande justice, il est capable de saisir le tribunal correctionnel contre lui. Maintenant, Anama écrit et ministère justice, lui écrit CSPJ à tous ou question ça? En effet, nous écrit tous deux pouvoirs pour nous demander autant mieux pour que la justice là lui-même soit capable de fonctionner. C'est sûr que la certification, c'est une obligation de la loi. Parce que la loi qui crée CSPJ, hein, les sont obligations à ce que le CSPJ les certifié magistrat, et la loi sur magistrature, non? Et lui-même lui fait obligation ça. Donc, depuis l'installation du CSPJ, toute magistrature, là, le prend de 2012 à 2021, ça fait 8 ans, toute magistrature des deux temps est passée, la carte d'examen de certification. Donc, c'est pas pour lui, liste qui est sortie, mais plusieurs qui sont sortis déjà. Et cette fois-ci, il y a 25 magistrats qui sont certifiés, il y a 19 qui partent. Et c'est nous féliciter tous les magistrats qui sont certifiés, parce que, en fait, donc quoi que c'est après des enquêtes sérieuses et profondes, on se rend compte que ce soit qualifié
du moins également de moralité suffisante pour qu'ils soient capables de continuer travail comme magistrat. Et pour les collègues qui pas certifié, nous regrettons ça parce que c'est avec vraiment pincement de cœur, nous avons des membres du corps qui a parti quitter nous. Mais là, du tout, nous espérons que l'enquête qui fait et qui aboutit avec rapport pour chaque magistrat, et nous souhaitons que c'est des enquêtes qui sont faites et qui a continué à faire avec objectivité, faites avec acuité, avec un peu de sérieux, de telle sorte que pas de personne monde qui subit et qui est victime d'abus de la part de la commission de certification en façon de diriger et rapport-li et soumettre-li avec ces conseils-là. Nous avons demandé tout pour que les conseillers eux-mêmes aient vraiment agi avec un plus sens de responsabilité bien pesé. Et chaque fois, il y a tranché sur le rapport que la commission de certification en bas. Donc, nous avons dit, si bien de magistrats qui n'ont pas certifié et qui estimaient que peut-être que pour eux-mêmes, une décision qui prend l'injuste injuste ou bien pas fondée, nous demandons pour qu'ils exercent des recours. Et nous-mêmes, au niveau de l'association, nous sommes capables d'avoir un accompagnement dans le sens que, et assister pour eux, et est-ce qu'ils doivent être respectés ou pas. Mais nous avons reconnaître que, et pourtant, nous n'avons pas voulu, doit personne ne violer, et que c'est de manière équitable, les décisions que nous prenons. Mais c'est une nécessité aujourd'hui pour que nous continuions, et si SPJ continue, et nos routes de certification, qui est capable de gagner comme effet et positif, restaurer confiance population dans la chambre. Mon certifié, c'est quand même. Le processus là, en fait, c'est un gros coup de balai dans le système là. Mon certifié, c'est deux mondes qui ne peuvent pas rien pour reprocher. En principe, pour certifier, il faut d'abord qualifier. Au sens que, il y a tout critère de qualification en termes de diplôme, en termes d'études. C'est des mondes qui ne peuvent pas faire papier, qui te fait. Et qui ont commandé ou qui ont vérifié. Et ensuite, au-delà de questions de qualification en termes de parcours académique, de papier, etc., il y a une autre question de moralité. Hein. Donc, c'est des mondes qui t'adorent pas cramper dans l'ensemble d'actes comme abus d'autorité, abus de pouvoir et des pratiques de corruption, de népotisme. Et c'est des mondes qui t'adorent et agir avec loyauté et dignité. Qui t'a doué agir avec intégrité comme magistrat. Donc, étant donné que nous-mêmes, de l'autre côté, nous jouons le rôle de vigile comme association, nous espérons que tout les commissions de certification les bien fait travail pour ne pas gagner un vol à main qui baille. Et pendant que tout, nous souhaitons que nous nous sanctionnions et nous faisons ça avec de façon très objective. J'aime dire pour que personne ne soit pas victime d'un abus. En même temps, doyen tribunal premier instant Jacques Mel, là, nous avons des assises criminelles que nous pouvons organiser dans la juridiction. Alors, nous commençons, assises ont commencé depuis mercredi 29 octobre 2020. Et assez sérieux, il y a tant de 26 dossiers. Pour le moment, gagné environ une vingtaine de dossiers qui peuvent ajouter à 26 dossiers. Ce qui fait que nous, on est capable de dire que c'est à peu près une cinquantaine de dossiers dans l'ensemble qui gagnent pour tant de narcissants, puisque si la semaine prochaine, nous allons prendre une ordonnance pour modifier l'ordonnance que nous avons déjà, on est capable d'ajouter le reste dossier. Et c'est un effort que nous, une démarche que nous initions dans le but, on est capable de réduire le taux de détention préventive prolongée, et on connaît que pendant l'année 2019-2021, la justice n'a pas bien fonctionné vu que tu as gagné des phénomènes, pays loc avec des problèmes politiques, on vient de crise sanitaire, on vient de grève pendant toute période, pas qu'un judiciaire. Hein? Donc, nous, par rapport avec l'ensemble de problèmes, ça, le taux de détention préventive prolongée a augmenté dans la juridiction du tribunal de première instance de Jacques Mel. Donc, de concert avec le commissaire du gouvernement, nous prenons disposition pour que nous soyons capables d'organiser plusieurs séances, plusieurs sessions d'assises pendant l'année 2020-2021 pour nous capables de réduire totalement le taux de
d'habitation préventive prolongée dans la juridiction pendant que nous décidons pour nous faire en sorte que toute notre affaire, comme affaire civile, commerciale, et référée à Bias Kopo, soit capable d'entendre parallèlement que à six ça a organisé pendant toute l'année. Combien d'affaires qui en état à recevoir un jugement là qui nommé? Pour affaires criminelles et sans compter affaires correctionnelles, nous prenons le commissaire a dit moins que 20 autres dossiers, donc nous ajouter comme nous allons ajouter là avec 26 dossiers ça qui est en abjugé déjà, donc ça va nous dans l'ensemble des pour les périodes fin mois d'octobre pour arriver dans le mois de novembre, 46 dossiers. Mais étant donné que c'est au fur et à mesure que les dossiers sont prêts, sont finis, jusqu'à après l'ordonnance de clôture, il y a un peu l'ordonnance de renvoi, soit devant le tribunal correctionnel ou bien devant le tribunal criminel. Donc au fur et à mesure que il y a des dossiers qui sont en état pour recevoir le jugement, on a continué à organiser des assises pendant un an pour que nous soyons capables de juger le monde. Depuis le 5 mars 2020, nous venons au coronavirus. Côté que nous dit que le pays a le bateau qu'on a fait en Béli, le 19 mars, le bateau. Mais nous commençons à faire du travail. Côté que nous avons un masque ou un bleu. Mais pendant que nous avons un masque, nous avons fait travail de contrôle là, tout travail de contrôle sur ça ou les phénomènes de sécurité. Là. Donc on a ici, par l'Empile, par la province, et plusieurs autres malais, ils disent, ah, n'est-ce pas le candidat à la présidence. Alors que si nous candidat à la présidence, nous n'avons pas besoin à le ministre de l'Intérieur. Oula, nous connaissons ça, l'avait dit. Non, ça n'a pas le défaut de décharge. Bah, ça n'a pas le défaut. On m'a dit qu'on voulait retirer ça en tête tout le monde. Au défi de Bernadette n'est pas candidat à la présidence. Au défi de Bernadette, son citoyen engagé, qui est ministre intérieur, qui travaille pour l'État, pour que la population soit capable de vaquer. Comme bon le semble, à occupation. Et ce travail, c'est ce qu'il a fait. Donc, où est que vraiment nous en avons, parce que nous sommes le deuxième vice-président du CSPN, qui travaille de concert avec la police et la justice, par l'intermédiaire du parquet, nous travaillons pour nous capables de mettre main, nos collègues, tout malfrat, tout individu qui comprend que nous sommes capables de passer l'état en papier. Parce que l'État clair, dans tout pays du monde, question de sécurité, c'est l'État qui gère ça. Pour pas la gueule, non mais aucun monde dans le secteur privé. Le secteur privé, on a pas sécurité pâle, mais job lui-même, on ne parle pas, il connaît que l'État existait. Il est pour devoir, pour faire confiance à l'État, de même que la population qui a dans la gâteau. Les journalistes qui ont ce travail, il faut qu'on fasse confiance à l'État. C'est cette confiance-là qu'on a pour rétablir notre pays, hein, pour rétablir l'autorité de l'État, pour affirmer une fois de plus l'autorité de l'État, pour permettre que tout le monde va faire l'occupation. Il faut que nous que, une fois que le président finit de parler à le premier ministre vient de parler à CSPN avec nous, et tout le monde connaît un pour devoir, pour nous prendre ça au mot, pour nous travailler, parce que l'État est un et indivisible. Nous allons regarder deux trois autres aspects après, mais ou même comme membre CSPN, non. Ah, ça son show médiatique, t'as l'op cherché l'op à elle, sans résultat. Comme ça. Ok, c'est comme ça. Qui ça va comme garantie? C'est comme ça. Ouais, pas moi qui est haïtien, c'est comme ça. Hein. Pour la plupart, c'est pas l'op cherché l'op à elle. N'a pas là. Il nous oblige de camper tout le temps dans la rue. Et ça fait l'autre jour, pour M. Dassouet. Avant-hier, ce matin, M. Souti. Je me changeais de stratégie. Il y a des jours après-midi, m'a paraît. Bagaye pour me dire mon akile m'a sorti même police qui a comparé mieux par mon akile et puis créer les mouilles et me dit bon tout en mettant nous en forme créer la presse pour moi elle m'a sorti où ça me sort avec la presse et me dit ah nous pas besoin de sortir la presse non je sors dans la presse pour qui ça c'est pour personne qui va me dire que les hommes d'Odin mais les hommes du ministre de l'intérieur a frappé moun a battu moun puisque la presse là comme témoin mais la presse vient pour le voir pour le garder travail qu'a fait là. Mais est-ce que ça entre dans le schéma d'opération, un plan de sécurité que nous oui, son plan de, ensemble avec son plan de sécurité que nous-mêmes, la police bah, parle là, non, c'est le terminator. Bon, nous ne voulons pas nos coups de poing. Coup de poing parce que mais c'est de concert toujours avec la police pour nous faire. Et allé à là, on n'a pas parlé avec DGA, qui dit mais il passe instruction à tout. Commandement, on de la police là, pour prendre la rue. Pour la police là, dans la rue,
faut population ouais la police en la rue parce que population besoin la police en la rue pour capable vague occupation pour rassurer une certaine confiance. Et ça que nous là on dit que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui hein. Un phénomène ça, il doit pas être plus ou moins grandissant en quelque sorte phénomène là. Et pas ça que fait ça. Il est là déjà. Il l'a déjà m'a dit ça. Ensemble de monde leur parlant élection estime que c'est armé pour armer un groupe de monde. À l'élection. Et là, la fin de la main, il n'y a aucun puisque les gars, pendant l'élection, on a balcon, pas vrai. Ça a bien dit. Mais quand il y a là, pas d'élection, on a besoin de la main. Ça a besoin de la main. Et vous me dites ça clair. Si monsieur ça a besoin de la main, il n'y a pas encore pour acheter ça. Il n'y a pas encore pour acheter. Quand il y a acheté ça, 6 000 dollars américains, 7 000 dollars américains sur le marché parallèle. Quand il y a pas. Même dans l'état, on a goûté pour nous arriver sur le monde, ça c'est, qui a fait ça manquer illégalement dans le pays. C'est ça qui fait, on clair là-dessus, on m'a dit que le port privé, il faut contrôler systématiquement. Ça c'est douane qui contrôle. Les douanes, de conseil avec la police. Mm-hmm. C'est ça, mais on est à ministre. Longtemps là, on dégage, bon là, capitale là, chaud dans mes mains. Ville la chaude, on a quitté le nouvel petit vent pour venir respirer, mais on est assez toute ville de province qui est tombée. Non, mal bon, histoire, mal bon, bagaille. L'autre jour, comment c'est arrivé les mains? Bon, samedi passé, ça a gagné 15 ou 22 jours. Le jour que papa DJ a fini à papa DJ, quand on 22 jours peut-être. Samedi cabinet, samedi demain, qu'a fait 22 jours. Mais le monsieur arrivé, il me dit que mes cardinals là, avec ensemble de prêtres, qui t'as chanté en funérailles. Papa en paix, mais au bon niche, mais bon diable tiré dans quelques côté de automatiquement vers ça. C'est dans la ville de Rouen, c'est en Nip là, c'est à Nip. Moi, les commandants sud là, qui me dit un grand bravo pour lui. Moi, les commandants rival, il dit Alba en bas pour moi jusqu'à ce que vous retirez ni le cardinal ni les prêtres. C'est cependant ou à la veille ou pour contrôler la situation. Et ceci a été fait, et une fois de plus encore, il prend des comptes, bah, il me dit bravo pour ça. Il fait. Ça veut dire que bandit, pas seulement le port de prince, il prend les fils de promesse aussi. Nous avons fait l'élection, le ministre de l'Intérieur a un gros grand rôle pour jouer la donne. Oubliez que la collectivité là, puisque la collectivité là obligée d'impliquer les collectivités territoriales, l'élection. Ça veut dire que la ministère a un grand rôle pour jouer. Donc, nous menons à préparer dans ce sens pour nous présenter un plan de sécurité. Tout. Bah, la police, bah, la police d'abord, ou bien bah, la justice d'abord la police. Bah, au premier abord, c'est le premier ministre qui a gagné son plan de sécurité. Il a descendu directement la justice pour la justice de bah, la police. Après, bah, un plan de sécurité, une cartographie en quelque sorte, de toute zone. Que les zones sont des zones à haut risque, que nous mettons au joli, que sont des zones qui sont capables d'aller correctement, nous mettons vert sur lui, que sont des zones qui ont des doutes, nous mettons jaune sur lui, mais qui peut vivre dans une rivière, nous préparons un plan de sécurité, de manière à ce que nous vaquions pour nous, occupation pour nous voter, c'est pour nous voter, nous estimons que Gongoulia, qui portait le projet, il est ça, mais c'est question de ces armes qui peuvent faire l'élection de l'Abéane, nous ne pouvons pas calculer comme ça. Le ministre de l'Intérieur a une responsabilité dans assainir l'environnement électoral là, je veux dire. Obligé, mais de concert avec la police. Nous ne pouvons pas contre nous, parce que nous-mêmes, constitution qui arrive, c'est de l'identité, nous n'avons aucune force en bas, nous, mais nous avons devoir pour nous travailler de concert avec la police pour nous assainir. Saudia, période électorale, et depuis qu'on y a fait, il n'y a pas de période avant de faire, depuis qu'on y a, c'est préparé. Tout le monde qui va à l'élection, pour aller à l'élection correctement. Et premier monde que, premier parti politique, tout, c'est Zamouba là, j'aimerais que ça vous, dans la loi électorale là, les gars vous obligez de mettre tout, en disgrâce, en 5 à 10 ans, en deux pays. Mais ministre, déjà, autant de presque en pile zone côté, c'est groupe armé qui est en charge avec tout ça, là d'ailleurs, quel est l'Antibonite, quel est l'Ouest là, quel est pile l'autre côté, et ça a fait, bon, nous avons gagné et responsabilité assainie en environnement électoral, ça veut dire, obligé d'attaquer, nous obligés, nous obligés de faire ça, de conseiller avec la police, mais nous ça, moi-même, ça va vous gommer si vous pouvez guider, on va aider.
La guerre est une chose bien trop sérieuse pour être confiée à des militaires. Les militaires, là, c'est exécuter la guerre, là. Mais la guerre, c'est mon cap pensé, là, qui fait la guerre, là. Et bien, nous-mêmes, au niveau du ministère de l'Intérieur, on a pensé et on a pris avec la police. Nous, pour la police, nous-mêmes, fait implémentation ça. Mm-hmm. Donc, c'est pour la population elle-même qui doit participer. Comme la population participer correctement. Parce qu'on ne peut pas payer l'élection qu'on a fait de la donne. Il faut que l'élection soit faite. Il faut un renouvellement du personnel politique. Il faut renouveler le personnel politique. Là. Et donc, plus de monde là qui voulait participer à l'élection. Parce qu'il voulait. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour le capable joindre nous, son babes ap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.